Undetouch, c'est une plateforme de streaming pour les artistes indépendants. Et en fait, on a fait leur bureau avec variation lumière, vidéosurveillance et DomoVR. Ce qui a séduit le client, c'est le côté high-tech et la facilité d'utilisation du produit. Saint-Marcelin-en-Forêt, c'est une maison qu'on a fait en rénovation. Le client voulait que sa maison soit évolutive. Donc on a fait les bases, en fait les volets roulants et l'éclairage. Alors l'évolution qu'il peut ajouter, c'est le chauffage, les vidéosurveillances, l'intrusion, l'incendie et la home cinéma qu'on va pouvoir plus tard piloter avec le smartphone. Partir de chez soi et puis appuyer sur un bouton pour tout fermer, c'est quand même assez pratique pour rien oublier. Je pense qu'on peut s'y retrouver, notamment alors à terme on installera un réglage du chauffage, donc je pense que c'est une manière également de s'y retrouver financièrement. Donc un retour très positif sur toute l'installation. Troisi, c'est autant réno que construction neuve. En Troisi, ce qui m'a séduit, c'est l'accompagnement des personnes qui programment et les prix. Au fur et à mesure des chantiers, j'ai vu qu'on devenait de plus en plus autonome et qu'on avait un petit peu moins besoin de Rexel. Ça fait 3 ans que j'utilise Troisi et je suis pratiquement autonome à 100%. Quel que soit le projet, que ce soit tertiaire, rénovation, neuf, Troisi, c'est plus de chantiers pour l'installateur. Moi, je sais qu'à choisir maintenant entre un chantier domotique et un chantier traditionnel, je prends le domotique en premier parce que c'est plus facile, c'est moins de travail et c'est plus gratifiant.